Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur 5 plateformes sur lesquelles vous pouvez vous former gratuitement. Et à la fin de la formation, on vous donne des certificats que vous pouvez présenter partout que vous voulez. Alors rapidement, suivez, je vais vous présenter ça chap. Allez, let's go. Ok les gars, la toute première plateforme sur laquelle vous pouvez former avec des certificats, c'est LinkedIn Learning. Si vous vous rendez déjà sur votre LinkedIn, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas LinkedIn, c'est un réseau social et professionnel. Donc, déjà, vous pouvez simplement taper sur Google LinkedIn et ensuite, vous cliquez sur le premier lien, vous vous inscrivez. Voilà, si vous venez sur LinkedIn, sur votre profil directement à ce niveau, vous pouvez simplement venir, vous cliquez là où c'est écrit entreprise, pour les entreprises. Voilà, à ce niveau, vous allez simplement cliquer sur LinkedIn Learning. Une fois que vous cliquez sur LinkedIn Learning, ça va vous envoyer sur cette page. Sur cette page, vous pouvez apprendre des tonnes de formations, des centaines de formations dans tous les domaines confondus. Mais attention, à la base, LinkedIn Learning, ce n'est pas une plateforme de formation gratuite. Donc ici, c'est par abonnement. Chaque mois, tu dois payer. Mais ne t'inquiète pas, moi, je te montre la méthode que tu peux utiliser pour te former dans toutes les formations que tu voudras et sans payer un centime. Voilà, déjà, comme tu peux constater ici, c'est écrit « Démarrer mon mois gratuit ». Donc, tu vas simplement cliquer ici. Une fois que tu cliques là-bas, tu vas voir, ça va sortir. Donc, tu vas venir ici, tu vas cliquer sur « Career ». Ok, nous, on ne sommes pas une équipe. Nous allons cliquer sur « Career ». Une fois qu'on clique sur « Career », vous allez voir ici « Essayez maintenant pour 0$ ». Donc, voilà ce que nous allons faire. Normalement, le premier mois que nous allons utiliser LinkedIn Learning, on ne paye absolument rien. Donc, on peut suivre toutes les formations qu'on voudra et obtenir nos différentes attestations, mais uniquement pour le premier mois. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous inscrire et suivre les formations que nous voudrions avant la fin de l'abonnement. Donc, comme tu peux le constater ici, on dit après votre premier mois gratuit, le montant de votre abonnement ne sera que de 39$. Et le plus important, on peut annuler à tout moment. Donc, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur « Essayer maintenant pour 0$ ». Et nous allons venir sur cette page. Nous allons mettre toutes nos informations de paiement et enregistrer. Rassurez-vous, ils ne vont pas vous facturer. Rien ne sera pris. Donc, ça sera 0$. Seulement, à la fin, par exemple, aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 13. Donc, si je clique sur « Débuter le 13 », à la fin, ils vont m'envoyer un email 7 jours avant la fin pour ne pas qu'ils me débitent sans mon consentement. Une fois que vous faites ça, alors vous aurez accès à des centaines de formations sur Udemy. Il vous suffit simplement de venir cliquer dans une thématique ici. Par exemple, le marketing sur les réseaux sociaux. Si je clique sur ça, je vais avoir accès à des centaines de formations que je peux suivre et avoir des attestations à la fin. Ok, la deuxième plateforme sur laquelle vous pouvez vous former gratuitement et avoir des certifications, c'est Microsoft Learning. Voilà, j'en suis sûr, vous connaissez probablement Microsoft. Donc, si vous cliquez sur le lien que j'ai laissé en description, vous allez tomber sur cette page. Quand vous tombez sur cette page, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter ou de créer un compte. Une fois que cela est fait, vous pouvez filtrer ici des cours en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si moi je vais suivre une formation sur un produit de Microsoft, tous les produits de Microsoft sont là. Donc, il suffit simplement de cliquer. Par exemple, je vais avoir des connaissances sur Windows. Donc, je clique simplement Windows, je vais avoir toutes les formations avec les différents modules et à la fin, j'ai une certification. Donc, je peux également choisir le niveau que je veux. Par exemple, je peux dire niveau intermédiaire et ensuite, à ce niveau, je peux cliquer sur le sujet que je veux. Est-ce que c'est l'application métier? Est-ce que c'est le travail moderne? Est-ce que c'est la sécurité Windows? Et en plus de cela, je peux cliquer sur cours ou bien c'est des modules que je veux ou bien c'est des parcours d'apprentissage que je veux. Donc, avec cette plateforme, vous pouvez apprendre tout ce qui concerne les produits Microsoft. Donc, que ce soit Excel, Word et tout ce qui s'en suit. Voilà les gars, la troisième plateforme sur laquelle vous pouvez former et avoir une certification gratuite. Vraiment, cette plateforme, c'est une mine d'or. Moi, je crois bien que c'est la meilleure plateforme vraiment pour apprendre l'anglais. Si vous voulez apprendre l'anglais avec des vidéos, avec un coach ou quelque chose de ce genre, je vous conseille fortement Central English. Déjà, ça fait des années, moi, j'utilise Central English. C'est grâce à cette plateforme aujourd'hui si je peux parler l'anglais. Si je peux discuter avec quelqu'un, c'est grâce à cette plateforme. Si vous venez ici, déjà comme vous pouvez constater, moi j'ai terminé les niveaux débutants avancés, le niveau intermédiaire, le niveau avancé. Donc sur cette plateforme, il vous suffit simplement de venir, vous cliquez sur « S'inscrire à ce niveau » et là, vous allez mettre vos informations. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez simplement cliquer ici. Par exemple, là, moi voici mon compte. Quand nous rentrons tout de suite dans mon compte, vous allez voir, j'ai accès à des tonnes de vidéos. Ce sont des courtes vidéos et
Ensuite, tu peux apprendre la langue comme tu voudras, avec, associée avec de l'intelligence artificielle. Vraiment, c'est la meilleure plateforme. Allez-y, jetez un coup d'œil et voir comment ça fonctionne. Pratiquement, moi, je crois que c'est la meilleure plateforme pour apprendre l'anglais. Voilà, comme vous pouvez constater, ce sont des vidéos. Et dans chaque vidéo, on peut vous poser des questions dessus. On demande votre avis. Vous allez parler, vous allez écouter listening, writing, speaking. Donc, tout est inclus dans cette plateforme. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. La toute dernière plateforme que vous devrez connaître, c'est Duolingo. Duolingo, c'est une application mobile. Elle existe et il y a la version web également. Cette plateforme vous permet d'apprendre n'importe quelle langue et avec de très belles méthodes. Par exemple, si vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette page là-haut. Comme vous pouvez constater, on dit la méthode gratuite, fun et efficace pour apprendre une langue. Si vous venez ici, vous pouvez apprendre l'anglais, ok? Vous pouvez apprendre l'anglais, vous pouvez apprendre l'espagnol, l'allemand, donc toutes les langues que vous voudriez apprendre, vous pouvez les apprendre sur Duolingo sans vous casser la tête. Déjà, vous pouvez utiliser la version mobile, vous pouvez utiliser la version web. Ok les gars, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, j'avais déjà fait une première vidéo sur les plateformes d'apprentissage que vous devriez connaître, avoir des certifications gratuites que vous pouvez présenter. Donc la vidéo, elle va sortir juste, je crois bien, ici. Voilà, donc vous pouvez simplement cliquer sur cette vidéo. Si ça se trouve, vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez également voir cette vidéo. Il y a des plateformes très très intéressantes que j'ai énumérées là-bas. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Et on se retrouve très très bientôt. À plus les gars. Ciao.